One Love, c'est Dada Benz pour toi et toi. Je viens pour faire part d'un truc pas normal de la part de Facebook. Bon, alors, il y a quelques jours, parce que moi je compte clôturer mon compte Facebook, je n'ai pas encore fait parce que j'ai des photos, des vidéos à récupérer et des contacts. C'est pas fini. Et aussi, voilà, comme à côté, je suis en train de faire un blog pour mes activités artistiques et aussi un site pour l'association Âmes de Création Massive ainsi qu'un forum. Donc voilà, dès que ça c'est fini, je balance tout sur en lien, voilà, je partage de partout sur mon compte Facebook et puis je le clôture. Et normalement, il devait rester seulement le compte Facebook de l'association. Or, ce matin, j'ai voulu aller sur le compte Facebook de l'association Âmes de Création Massive. Ouais, c'est mon fils qui passe derrière. Donc j'ai voulu aller sur le Facebook et c'était écrit que le compte a été clôturé. Alors, sur mon compte Facebook perso, j'ai fait mon complotiste. J'ai fait mon journaliste amateur, aller filmer des trucs graves que logiquement ils auraient fermé mon compte. Tu vois, j'ai parlé d'Illuminati, de francs-maçons, de pédocriminalité, de différents trucs. J'ai parlé de terre plate, de voilà, de coronavirus, d'hôpitaux vides, de magouilles en tout genre des politiciens, machin, tout ça, et voire même des magouilles de Facebook. Tu vois, ils m'ont pas clôturé mon compte perso. Et là, j'ouvre un compte Facebook pour les activités associatives. Et dedans, il n'y a pas de complotisme, il n'y a rien, machin. Tu vois? Et boum, on clôture ça. C'est pas chelou comme truc. Tu vois? Le système ne veut pas qu'on s'émancipe. Alors, moi, je dis, franchement, bah, boycotter Facebook, quoi. C'est de la merde, en fait. Voilà. En tout cas, bah, du coup, je sais pas si je vais refaire une page ou quoi, je vais faire quelque chose sur Facebook pour l'asso, parce que c'est dommage, mais voilà quoi. Mais voilà, en vérité, Facebook, je pense qu'il faut écouter à fond, en fait. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis one love et à bientôt.